Ah, il était temps! Un nouveau crash! Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour un vidéo test sur Crash Bandicoot 4 It's About Time! Voilà, le quatrième réel épisode, parce que bon, il y a eu des crashs après la trilogie, mais bon, il ne proposait pas véritablement la vraie formule de base. Alors, il y a eu Crash, la vengeance de Cortex. Bon, comme vous pouvez le voir, le menu est très simple. Enfin, Crash, la vengeance de Cortex, qui n'était pas fameux. Et je trouve qu'on perdait vraiment le charme des Crash Bandicoot. Enfin, le côté vraiment humoristique, très cartoonesque. C'est un peu moins le cas de celui-là. Il était un peu plus. Comment dire. Ah, il osait pas. Il n'osait pas être cartoonesque, être complètement désenchanté, complètement n'importe nawak. Voilà, pas désenchanté. Qu'est-ce que j'arrive pas à trouver le mot. C'est magnifique. Cette intro. Complètement loufoque. Voilà. Et non, la série désenchantée de Mac Groening, non. Ça, c'est une autre histoire. Alors, voilà, dans les options, hein, le classique, hein, voilà, on a différents modes, voilà, de style de jeu, qu'ils appellent ça. Alors le mode rétro, c'est comme il y a marqué en dessous, on a un nombre de vies illimitées, comme à l'époque. On a un système de vie, et le mode moderne, on va le mettre. Voilà, quand tu meurs, tu reprends un dernier point de contrôle. Voilà, mais t'as des vies à l'infini, tout simplement. Fantôme contre la montre, c'est quand on fait le mode contre la montre, et si on veut voir le fantôme, voilà. Du contre-la-montre, moi je préfère laisser à oui, c'est plutôt pas mal, j'ai essayé le contre-la-montre, c'est vraiment hard. Ombre améliorée. Affiche masque des anneaux d'ombre améliorée. Ça je sais même pas ce que c'est. C'est la découverte. Ombre améliorée. Masque les anneaux d'ombre améliorée. J'en sais rien de ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Bon, après les commandes hein, classiques, hein, vous voyez. Ça je vais pas vous en faire un dessin. Vidéo, voilà, tremblement de la caméra, flou de mouvement, ça c'est très important, c'est plutôt pas mal, on a le choix de laisser ou d'enlever le flou de mouvement. Moi j'ai enlevé parce que je trouve que généralement ça dénature le jeu. Je préfère vraiment avoir la fluidité telle quelle et ne pas avoir une sorte de flou de mouvement pour simuler une meilleure fluidité, entre guillemets, mais moi, je trouve ça pas très bien parce que du coup l'image est beaucoup plus floue. Et pour moi, c'est moins agréable. Ça peut être plus agréable pour certains, mais moi, je l'enlève tout le temps sur mes jeux PC. Et là, il le propose aussi pour ce Crash Bandicoot sur PS4. Et ça, c'est bien. C'est assez rare qu'il le propose sur console. Bref, voilà. Après, voilà, on a fait le tour. Il y a un mode bataille de Bandicoot, voilà, et un mode multijoueur. Alors, j'ai jamais testé. Ah, si, j'ai testé ça, si. En fait, il y a marqué juste en bas, voilà, il faut 1-4 joueurs font la course jusqu'à la ligne d'arrivée en cours de points de contrôle. On vise le meilleur score en combo, caisse, voilà. Ou en vitesse, voilà. Vitesse ou le nombre de caisses. Voilà, par exemple, si on sélectionne, on peut choisir, il me semble, quasiment tous les niveaux du jeu. Ah ouais, y en a pas 25, il y en a plus quand même. Mais c'est quand même une bonne partie des niveaux du jeu. Ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, c'est vraiment le niveau en entier, hein, en mode multijoueur qu'on fait le niveau en entier. Et on le fait. On ne le fait pas en même temps. C'est chacun son tour. Voilà. C'est pas simultanément. Hop. Alors, attendez, bon, je vais vous montrer vite fait du coup. On va plutôt. Qu'est-ce qu'on va prendre comme niveau? Oh, l'un des premiers, hein, du réveil. Allez, hop. Et vous allez voir comment ça se passe. C'est à chaque checkpoint, en fait, on passe la manette au deuxième joueur. On se passe la manette. Bon, c'est pas très Covid. Mais bon. Alors, en tout cas, je trouve que c'est un mode assez intéressant. Moi je m'attendais à la base à un mode deux joueurs en simultané, donc il y a carrément deux joueurs à l'écran. Bon, ça paraissait un peu trop beau et finalement c'est pas si mal que ça ce mode-là.
Voilà, point de contrôle. Et donc hop, là c'est au deuxième genre de jouer, donc là bah on joue avec la même manette. Hein. On se passe la manette quoi. Voilà, et on voit le fantôme du premier joueur. Voilà, bon, j'utilise une technique, c'est une technique qu'on n'a pas directement au début du jeu. Bah non, c'est quand on finit le jeu. Et bah on déverrouille la superbe tornade de la mort là. Je sais plus comment ça s'appelle. Et donc on appuie trois fois sur carré. Mais en rythme, faut pas appuyer trop rapidement et ni trop lentement en fait, il y a un timing. J'ai fait n'importe quoi, mais voilà, quand un joueur perd, du coup, bah le joueur 2 joue directement, voilà. Et normalement, si là on réussit à faire, hop, le point de contrôle, voilà. Voilà, on a le temps du joueur 2, qui est Coco, et le joueur 1, Crash, n'a toujours pas son temps, donc il faut qu'il réessaye, voilà, Ah non, même pas. Ah non, en fait, si le joueur 2 réussit, et ben le joueur 1, voilà, hop, c'est carrément annulé. Bon, ça, je savais plus. Je ne savais plus, ça. Donc voilà, après, vous voyez, là, c'est du classique, hein, il y a les TNT, les caisses jaunes, c'est les caisses pour gagner du temps en mode contre la montre. Voilà, ça fige le temps sur certaines secondes, j'arrive plus à parler, pendant quelques secondes. Donc, par exemple, là, on a une caisse 1, une caisse 3, du coup, bah, ça fait 4 secondes de figé, tout simplement. Bon, vous avez à peu près compris le principe. Tac, tac. Du coup, retour au salon, et comme vous pouvez le voir, voilà, c'est vraiment un crash à l'ancienne. Comme le Insane Trilogy qu'on a eu récemment, en 2017, qui a été développé par Vicarious Vision, si je me trompe pas, et édité par Activision, parce que de toute façon, c'est... maintenant Crash Bandicoot appartient à Activision. Et donc oui, cette licence a été un petit peu, comment dire... un petit peu mis en retraite. Parce que même si plusieurs sociétés, du coup, il y a eu plusieurs développeurs, etc., plusieurs éditeurs, on n'a pas déjà direct eu Activision. Avant, évidemment, au tout début, c'est Naughty Dog. Après, on a eu Universal, je sais plus quoi. Et puis après, d'autres développeurs. On va faire ce niveau, tiens. Le canyon, il est assez sympa. Et en fait, voilà, c'est un jeu qui a appartenu à tellement de sociétés à droite à gauche que c'est un peu le bordel, et du coup, des crashs, on n'a pas vraiment eu de véritables crashs par la suite. Les vrais crashs, pour moi, c'est la trilogie avec Naughty Dog, et le crash... comment il s'appelle déjà? Le crash CTR, là. C'est Crash Team Racing, voilà. Développé aussi par Naughty Dog. Alors pour moi, ces 4 crashs là, ce sont des vrais crashs. Et celui-là est inclus aussi dans le panier. Voilà, petite cinématique, hein. Et donc, il faut les autres masques pour fermer la faille? Oui, et mon frangin à canot est dans le coin quelque part. Bienvenue au spectacle fermé. Vous cherchez votre précieux... Ah, et comme vous pouvez le voir, voilà, le jeu n'est pas en 60 images par seconde non-stop. Mais voilà, il est assez fluide. Il tourne entre 40 et 60 images, quoi, en gros. Après, là, nous sommes sur la version PS4. PS4 toute simple. PS4 Slim. Pour être précis. Et non PS4 Pro, donc... peut-être que la version PS4 Pro tourne en 60 images par seconde... constant. Hop. Et donc voilà... Ça appartient à tellement de sociétés différentes, cette licence, qu'on ne sait plus après. Et donc là, voilà, on est vraiment dans le ton des premiers crashs, avec ce côté très cartoonesque. La même ambiance, franchement, c'est... Ce Crash 4 ne dénature pas l'ambiance des trois précédents. Donc pari gagné, moi je trouve, pour ce Crash 4.
Après, voilà, il a été un petit peu modernisé par rapport aux trois précédents, mais en même temps, il le fallait bien. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, là, on peut... par exemple, j'ai eu l'un des quatre masques du jeu. Parce que, voilà, faut sauver... pour l'histoire, voilà... Cortex... veut encore répandre le mal. Veut encore, voilà, dominer le monde. Et avoir ce satané Bandicoot. Et bon, en même temps, il collabore avec l'un de ses collègues, mais avec lequel il ne s'entend pas très bien parce qu'il prend un peu trop le pouvoir, selon lui. Parce que bon, bah, c'est plus Cortex vraiment le véritable chef, du coup. Hop. Et du coup, il emprisonne, enfin, je sais plus quoi, non, il... Il fout le dawa avec, en ouvrant les différentes failles intemporelles de la mort. Et donc, mais oui, ça veut dire qu'ils peuvent voyager dans le futur et le passé, Marty. Tout simplement. Et le problème, c'est que c'est très mauvais dans le continuel espace-temps bidule chouette. Tout simplement. Et donc voilà, Crash et Coco doivent absolument arrêter Cortex et ses sbires. Je sais même plus comment il s'appelle, vraiment son chef là, N machin. Entropy, je crois, Entropy. Hop. Voilà, vous voyez, il y a du slide, ça c'est sympa. Hop. Voilà, ça refait penser aux phases en wagon dans Donkey Kong. Dans les derniers Donkey Kong Country. Hop. Return et Tropical Freeze. C'est un peu du même style. Bon, sauf que il y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas tant que ça dans ce Crash. Et surtout que, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est très court. Hop. Et donc voilà, pour l'histoire, bah, je viens de me fail, c'est magnifique. Pour l'histoire... Ah, tiens, attendez. Les niveaux bonus, toujours présents. On a des vies à l'infini hein, dans les niveaux bonus, hein, donc il n'y a pas de souci, hein, on peut perdre. Même si généralement, les niveaux bonus, c'est plus, ils font plus office de... Enfin, si vous connaissez bien les Crash, ils font plus office de... De niveau... à énigme. Voilà, niveau de réflexion. Voilà, faut trouver un moyen d'avoir toutes les caisses. Hop. Et généralement, c'est assez compliqué. Voilà. Bon, même si là, on est dans l'un des premiers niveaux, donc là, ça va être assez simple, hein, vous voyez. Hop. Attendez, hop, on va plutôt sauter par-dessus. Tac. Nickel. Et donc voilà, nous on doit sauver les quatre masques. Enfin, sauver plutôt les réveiller, hein. C'est plus ça. Hop. Quatre masques magiques qui permettent de entre guillemets, de rétablir l'équilibre. Dans le continuum espace-temps. Voilà, c'est magnifique. Je sais pas pourquoi je fais un teasing comme ça du scénar alors qu'il est tout con. Ah là là. J'avais envie de me jouer à la doc. Tout simplement. Voilà, après, l'objectif, voilà, dans chaque niveau, c'est d'avoir... Bon, là, je viens de me viander, mais bon. C'est d'avoir toutes les caisses pour débloquer les gemmes. Donc voilà, comme les anciens Crash, alors surtout Crash 2 et 3, parce que Crash 1, il me semble qu'il n'y avait pas déjà les gemmes. Je me trompe peut-être. Il me semble que c'était pas vraiment obligatoire. Ah, quoique. Ah si, il y avait un système de gemmes, mais si, à la fin, pour débloquer la fin secrète. Aïe. Hop. Et généralement, c'est assez hard hein, d'avoir toutes les caisses. Hein. Dès les premiers niveaux, même celui-là, par exemple, j'ai pas réussi à avoir toutes les caisses.
Bon là j'ai fait exprès, on est en vidéo, surtout pour aller vite, hein. Pour vous montrer le plus possible, pour vous en montrer le plus possible. Bon, et quant au temps de chargement, ils sont un petit peu longs. Mais bon, c'est à peu près le même temps que les temps de chargement de Donkey Kong Country Tropical Freeze. Mais bon, ce qui est bien par contre, c'est qu'on peut recommencer les niveaux. Alors, bon, il n'y a pas un bouton pour relancer directement le niveau quand on fait le contre-la-montre, si on vient de se tromper et qu'on veut faire un retry. Mais quand on se suicide, on reprend très rapidement, il n'y a pas de temps de chargement. Quand on meurt, hop, on reprend direct. On reprend direct tout le niveau au début du contre-la-montre. Ça, c'était le problème de Donkey Kong Country Returns, c'est qu'on ne recommençait pas le niveau. Enfin, même Tropical Freeze, je crois qu'on commence même pas aussi. On est obligé d'aller dans le menu et de faire réessayer. Là, c'est un peu plus, on va dire... c'est un peu plus ergonomique, voilà. Donc pour ceux qui font beaucoup de contre-la-montre, c'est pas mal. Même si ça manque quand même d'un bouton réessayer dans le menu. C'est quand même pas mal. Enfin, on peut faire relancer, on peut faire rejouer, mais c'est pas réessayer directement, ça va relancer tout le niveau, donc ça va faire un temps de chargement qui dure 15 secondes facile, quoi. Après, voilà, peut-être que la version PS4 Pro, les temps de chargement sont peut-être plus rapides, ou alors si vous avez un SSD, parce que j'ai entendu dire qu'on pouvait mettre un SSD dans une PS4, et que ça va un peu plus vite. Bon après, il y aura la PS5 pour ça. Hop. Et donc voilà pour le système du contre-la-montre. C'est assez ergonomique, c'est assez bien foutu. Là comme vous pouvez le voir aussi, je vous ai pas montré, quand on saute... On voit pas vraiment... C'est pas vraiment notre ombre, mais c'est un cercle jaune. Ah, c'est ce qui permet de voir où l'on va atterrir. Voilà. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que souvent, on a quand même des problèmes de perspective. De perspectivité. Car la caméra est souvent placée un peu trop éloignée du personnage, comme ça. Alors, bon, c'est voulu, parce que, bon, tous les crashs sont comme ça. Le problème, c'est que, voilà, on retrouve le problème des premiers crashs, c'est-à-dire que... Enfin, les trois premiers crashs, c'est-à-dire que on a ce problème de perspectivité, et du coup, par moment, on croit qu'on va atterrir à tel endroit, alors que pas du tout. Donc je trouve que ça a été une bonne idée de la part des développeurs de faire ce cercle jaune. Ça facilite un peu le truc. Hop. On va dire que ça colmate un peu l'erreur... cette erreur, quoi. La perspectivité. En gros. Les problèmes de perspective. Hop. Ah, sinon, au niveau des mouvements, je vous ai pas trop parlé des mouvements. Alors, voilà, il y a le triple carré, voilà, ça, c'est... On le déverrouille à la fin. Sinon, on peut faire que le tourbillon classique. R1 pour se baisser. Après, on peut... Quand on appuie sur R1 et croix, on saute un peu plus haut que si on fait juste un saut classique. On a le double saut, voilà, on a accès au double saut. Crash peut toujours, voilà, hop, s'éclater contre le sol comme ça. Après, il n'y a pas vraiment de nouveaux mouvements. Bon, à part le triple tourbillon de la mort. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de nouveaux mouvements, hein. Les nouveaux trucs, surtout, c'est voilà, c'est les gameplay avec les masques, enfin les nouveaux totems, là. Voilà, le totem qui permet de... Hop, de faire apparaître des plateformes. Et d'en faire disparaître d'autres à côté. D'inverser, en fait... d'inverser l'affichage des plateformes, je sais pas trop comment on peut expliquer ça. Vous avez des yeux, vous voyez bien ce que ça fait.
Et c'est plutôt pas mal ce gameplay. Après c'est classique, hein. C'est assez classique. Hein. C'est pas le seul jeu qui a inventé ce système. Mais pourquoi pas, dans un Crash Bandicoot, ça permet de... Hop, d'enrichir le gameplay. Après, comme vous pouvez le voir, ça reste toujours de la 2,5D, donc c'est-à-dire que c'est un jeu en 3D, mais pas vraiment. Voilà. Graphiquement, c'est de la 3D. Alors, des fois, on a quand même des phases en 3D, mais ça reste assez restreint. C'est pas un open world comme un Mario Odyssey, donc pour moi, c'est pas possible de comparer Mario Odyssey à Crash Bandicoot, par exemple. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui le comparent. Parce qu'on n'a jamais eu de réel jeu de plateforme sur PS4, à part le Ratchet & Clank. Donc c'est vrai qu'après... Il y en a qui le comparent, ce Crash, au dernier Mario qui est sorti en date. Le dernier Mario en date. Hop. Mais bon, moi, je peux pas vraiment... comparer, c'est la vision, comment dire, ce n'est pas du tout la même philosophie, voilà, ce sont tous les deux des jeux de plateforme, mais ils n'ont pas du tout la même philosophie de gameplay. Donc attendez, je vais vous montrer, tiens, hop, parce qu'on peut jouer, alors, de base on peut jouer soit avec Crash, soit avec Coco, mais il y a certains niveaux, des niveaux... un peu secret entre guillemets, même si on les déverrouille assez simplement. C'est des niveaux parallèles, donc c'est-à-dire qu'ils sont en parallèle avec ce niveau-là. Par exemple, le niveau carré est en parallèle avec ce niveau-là. Et donc quand on fait ce niveau-là, le niveau vert, enfin le cercle, donc c'est un niveau avec Coco ou Crash, à un moment donné, il va se passer un événement, et le personnage va se poser des questions, voilà, il va y avoir un point d'interrogation au-dessus du personnage. Et cet événement a été enclenché par voilà, le personnage que l'on va contrôler. Hop, celui-là, Crocro Dingue, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle. Dingo quelque chose, ouais. Dingo Deal, peut-être, c'est ça. C'est vrai que j'ai pas trop retenu, moi, les noms des différents personnages de Crash. Il y en a tellement. On les retrouve tous, hein, dans ce Crash 4. Quasiment tous. Il n'y a pas l'espèce de lion dans le 3. Mais on les retrouve quasiment tous. Après, quand on y pense, il y a surtout des méchants et pas beaucoup de gentils. En personnage... personnage principal, là. J'ai comme l'impression de plus être dans le bayou. Voilà, Dingo Deal, on contrôle carrément Dingo Deal, qui est un boss dans Crash 3, il me semble, ou même le 2. Il apparaît plusieurs fois, celui-là. Peut-être pas dans le 1, par contre. Donc, comme vous pouvez le voir, le gameplay est un peu différent. Alors, on peut toujours faire le tourbillon. Là, sauf que lui, voilà, il a accès à un double saut, mais... Un double saut assez spécial. Un double saut qui lui permet de planer et de sauter par la suite. Ça c'est plutôt... Hop, c'est plutôt pratique. Oula, ouais, faut faire attention parce qu'on peut se faire avoir en balançant des TNT comme ça. Hop. Généralement les niveaux sont assez sympas avec Dingo Deal. Même si je préfère les niveaux avec Taunoa. Enfin, j'arrive jamais à prononcer son nom exactement. Tauna. Ben ça, la copine de Crash qui est de retour. Hop. Copine de Crash dans Crash 1. Et bon, ils ont complètement changé son design par contre. Hein. Elle fait un peu plus garçon manqué. Enfin, même complètement en garçon manqué. Hop. Après, pourquoi pas. Hein. Ça fait un personnage badass. Moi, j'aime bien son design. C'est vrai que généralement, les personnages en Crash Bandicoot, les designs... c'est assez compliqué. Hein.
Et je trouve, moi j'aime bien Dingo Deal et j'aime bien Tauna. Voilà. Je trouve que c'est des bons designs. Bon, avec Crash et Coco, le classique. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal avec tous les sbires de Cortex. J'ai un peu de mal avec leur design. Ah ouais, c'est question de goût. Hein. Hop! Voilà, là on reprend le niveau avec... avec Coco, voilà, j'ai oublié de vous le dire. Ouais. Au moment où il y a eu l'événement. Tout simplement. Donc en fait, on reprend le niveau basique. Le premier niveau de ce monde, en gros. Mais sous... comment dire... Mais voilà, ils ont augmenté un peu la difficulté. Par exemple, il n'y avait pas de TNT à la base. Ok, j'ai fait n'importe quoi. Alors, je vais vous montrer après un niveau avec... bon, j'arrête de faire n'importe quoi. Un niveau avec Tauna. Ce sera peut-être pas mal. Faudrait qu'on soit dans les temps. Bon, j'ai pas trop envie de faire une vidéo non plus d'une heure. Alors, on est déjà à 27 minutes. De Zeus, le temps passe vite. Comme vous pouvez le voir, quand même, c'est très jouissif. Hop. Les animations sont pas mal, sans être folles non plus. Graphiquement, c'est assez joli. Alors, c'est le moteur graphique est complètement différent de la trilogie. Enfin, du remaster de la trilogie. Enfin, remake, plutôt. Ah, je fais n'importe quoi. Bon, on va changer de niveau. Ce sera plus rapide. Tac. Alors je joue plus bien. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je vous ai pas trop parlé de la carte du monde, oui, parce que bon, la carte du monde, la voici. Hein. Après le temps de chargement, voilà. Voilà, après c'est... Le problème de cette carte du monde, c'est qu'on est obligé de balader son personnage à droite à gauche. Si on veut par exemple faire le niveau, je sais pas moi, le niveau 3 et qu'on veut aller jusqu'au niveau 33, bah on est obligé de voilà, de voyager comme ça, voilà, de niveau par niveau. Donc c'est un petit peu long. Donc pour moi c'est quand même un point faible ça. Il n'y a pas un autre menu, comme souvent le font ce genre de jeu, un autre menu déroulant sur la droite ou je sais pas où, où on peut sélectionner les niveaux plus rapidement. Monde par monde par exemple. Voilà. On peut se téléporter monde par monde. Bah ça, y a pas. Ou alors je ne l'ai point vu. Non, y a rien. Bon, ah, je vous ai pas parlé. Voilà, on débloque des différentes skins. Alors j'en ai pas débloqué non plus beaucoup. Voilà, ça c'est pour le fun. Voilà, la skin de base de Coco. Bon, j'aime bien cette skin. Ça, elle me fait marrer. Hop, on va faire un petit niveau avec Tauna. Il y en a un que j'ai plutôt bien aimé. Ah, quoique, on peut faire celui-là. Oh, non. Parce que... C'est un niveau qu'on a fait, il me semble, en live. Ah, parce que j'avais fait une bonne partie en live avec vous. De ce Crash Bandicoot. Alors, on s'était arrêté après ce monde. Alors, on s'était arrêté ici. Et quel dommage, parce que ce monde était incroyable, le monde de la préhistoire. C'est franchement pas mal, avec les dinosaures et tout, ça claque. Bon, on fera peut-être un niveau après. Bref, il y avait un niveau qui était pas mal avec Tauna, qui était vraiment bon. Alors c'est un petit spoil. Ah, c'est ce monde-là. Alors attendez, c'était quel niveau? Ah, c'est celui-là. Donc il y a un début avec
Il y a un début avec Dingo Deal, et après on joue Tindoua. Voilà, comme vous pouvez le voir, voilà, on a un peu traversé de monde en monde, là, vite fait. Et comme vous pouvez le voir, la DA est assez inspirée. Les développeurs ne manquaient pas d'idées. C'est assez original et puis généralement les niveaux sont quand même très jolis. C'est assez rare qu'on ait des niveaux pas tip top, hein, à part vers la fin, le dernier monde, le monde de Cortex qui est plus classique, voilà, qui rentre plus dans le classique. Le niveau des égouts. Hein. Hop. Voyons si ces grands coquelicots savent fumer un steak. Ah oui, à ces trucs-là, faut faire gaffe. Oh, voilà, avec son aspirateur, on aspire tout. Après, voilà, niveau bande-son, je vous ai pas parlé de la bande-son. C'est pas non plus foufou. Parce que autant je trouve le jeu en lui-même, franchement, j'ai été agréablement surpris. Alors, je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi bon. Après, je donnerai plus mon avis vers la fin. Mais vraiment, le jeu m'a épaté. Le jeu m'a étonné, sans non plus que ça soit un jeu exceptionnel comme par exemple Donkey Kong Country Tropical Freeze. Mais en tout cas, il est... je suis trop gros. Ah, il fallait pas balancer direct la TNT. En plus, il y a pas de checkpoint, là. Il m'a agréablement surpris, parce que sans non plus vraiment changer les codes du style... Sans vraiment changer les codes du platformer. Ok, la plateforme met 3 plombs à revenir. Alors, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Eh bien, il reprend certaines idées d'autres jeux, de plateformes, mais il le reprend parfaitement bien. Voilà, c'est vraiment très, c'est maîtrisé. Hop. Et puis généralement quand même, il y a beaucoup de niveaux où il y a quand même des idées vachement. Vachement sympa. Quelques idées de gameplay. Alors je pourrais pas vous dire exactement quoi, mais... Hop. Ouais, mais c'est rare que... qu'un niveau ressemble à un autre. Même si ce système de caisses est toujours assez redondant, et voilà. Le fait de choper toutes les caisses, faut être patient. Ça veut dire que j'ai le potentiel pour une franchise. Alors certains niveaux c'est assez jouissif, mais il y en a d'autres, il y a un peu trop de caisses. Je trouve qu'ils ont un peu abusé à ce niveau-là. Comme là par exemple. C'est vrai que les niveaux... Hop, c'est vrai qu'à la base... À la base je trouve que... Ils auraient pu diviser par deux le nombre de caisses quasiment, parce que je trouve qu'il y en a trop, hein, généralement, surtout les niveaux avec Dingo Deal. Et puis, les ennemis vraiment dans ce jeu, ce ne sont pas vraiment les différents mobs que l'on croise à droite à gauche. Alors là, je viens de faire n'importe quoi. Ce sont bel et bien les caisses. Les pires ennemis. Pire que le boss final, attention. Vraiment, la plupart du temps, vous allez perdre des vies à cause des caisses. Parce que vous voulez toutes les attraper. Elles sont tellement difficiles à avoir. C'est tellement fourbe. Hop. Que ça en devient rageant. Ah, aussi, le jeu est vraiment pas simple. Hein. Bon, là, c'est aussi, je joue très mal. Mais voilà, globalement, le jeu...
n'est pas trop fait pour les noobies. Hein. Si vous voulez un jeu de plateforme sans prise de tête, c'est vrai que c'est pas vraiment le meilleur jeu pour ça. Mais attention, c'est pas un point faible. Hein. Au contraire, moi je préfère ce genre de jeu où il y a... Où il y a un minimum de challenge. Enfin même, il y en a beaucoup. Pour moi, il est même plus dur. Alors, je sais pas pour le 100%, mais en tout cas, juste à parcourir comme ça, ça doit être le crash le plus hard. Hein. Alors, ils sont un peu trop généreux, par contre, au niveau des vies. Mais s'ils en donnaient pas tant que ça, comme le premier crash, franchement... J'aurais eu le game over plus d'une fois. Hein. Mais j'ai jamais eu de game over parce que... voilà, ils sont très généreux. Et puis si on chope à peu près toutes les caisses... Enfin, le plus de caisses possible... On a beaucoup de Fruit Wumpa à droite à gauche. Et du coup, bah voilà... Au bout de 100 Fruit Wumpa, vous connaissez la chanson. On gagne une vie. Puis il y a pas mal de one-up à droite à gauche aussi. Il me semble que quand j'ai commencé au tout début le jeu, je jouais comme ça. Je n'ai toujours pas changé, je n'ai pas évolué, ma skill reste ainsi. Voilà, c'est compliqué. Ah, c'est... Mais ne m'en veuillez pas, je suis comme ça, je n'arrive pas à m'améliorer. Non bref, sérieusement, je crois que mon quota de vie... Alors je crois que niveau 1-up, je crois que j'étais à 30, peut-être 30 ou 40 vies en étant seulement au troisième monde, voilà, dans le jeu. Sachant qu'il doit y avoir... j'ai pas compté tous les mondes qu'il y a, mais je crois qu'il doit y avoir facile 8 mondes. Hein. Et encore, on a des surprises, hein. C'est vrai que... Il y a un monde où on croit vraiment que c'est la fin du jeu, alors que... Bon, le boss n'est pas si dur que ça, déjà, du monde en question. Et après, voilà, on a une surprise, voilà. Un peu comme dans Mario 3D World, où on a carrément plusieurs mondes qui se dévoilent à nous à la fin. Sauf que Mario 3D World ne proposait presque pas de challenge, et c'est un jeu qui m'a vraiment déçu. Au plus haut point... Moi, par exemple... Mario 3D World, je le compare souvent à ce Crash, parce que c'est le même style de jeu, c'est de la 2,5D aussi dans Mario 3D World, c'est pas vraiment de la 3D. Parce qu'on se déplace mais dans un environnement assez restreint. Et c'est pas vraiment un mal, je trouve, dans ce genre de jeu. Mais faut que ça soit vraiment bien fait. Et le problème dans Mario 3D World, bah, c'est pas bien fait. On a vraiment l'impression de jouer à un jeu mobile, quoi. J'ai eu l'impression de rejouer à un jeu 3DS. Donc voilà. C'est l'un de mes derniers tests. J'avais fait Mario 3D World. Alors le test, il date peut-être de un an quasiment, parce que j'en fais pas tant que ça des tests en ce moment. Mais bon, ça va reprendre, hein, ça va reprendre. Oula. Mais en tout cas, voilà, Mario 3D World, c'est un jeu qui m'a énormément déçu. Alors j'étais peut-être un peu dur dans mon test, je sais plus. Oh purée. C'est vrai que j'avais dit, il me semble, que c'était un bon petit jeu, mais sans plus. Voilà, un bon petit jeu de plateforme. Mais c'est vrai que quand c'est un Mario, on s'attend à un truc de fou. Alors que Crash, pour moi, Crash, voilà, les trois premiers Crash, ils sont sympas. Mais c'est pas non plus des jeux inoubliables, je trouve. Et donc je m'attendais pas non plus que ça soit une bombe, ce Crash 4. Même si bon, moi j'ai quand même toujours aimé les Crash, donc voilà, je l'ai acheté Day One. Et franchement, bah vraiment pas déçu à ce niveau-là. Bah, vous pouvez le voir, hein, le gameplay est très... Bon, j'ai fait n'importe quoi. Hop! Le gameplay est très vif, comme les anciens Crash, mais en plus il est très diversifié, alors que les anciens Crash, évidemment,
on dirigeait que Crash ou Coco, et Crash et Coco, bah, c'est deux personnages bis, c'est deux personnages identiques en vrai, hein. Il y a juste la skin qui change. Sinon la maniabilité reste la même. Donc là voilà le fait que voilà, Tamna utilise son grappin pour s'accrocher à divers endroits ou choper des caisses au loin. Dingozil lui il utilise son aspirateur pour planer ou bah, aspirer tout simplement. Voilà. Et puis en plus le système avec les différents masques. Il faudrait que je vous montre un niveau avec un masque en particulier, parce que je vous ai déjà montré le premier masque. Il faudrait que je vous montre peut-être le... alors... Quel masque je pourrais montrer en priorité? Parce que je vais pas pouvoir tout montrer. Sinon, il faut encore faire pas mal de niveaux. Les niveaux sont assez longs. Hein. Vous pouvez le voir. Ils sont assez longs. Hein. Ils se terminent pas en 2-3 minutes comme un Sonic. Ou même, ils sont plus longs que la plupart des... Enfin, j'ai fait n'importe quoi. Dès que la plupart des niveaux de Mario 3D World. Et puis en plus de ça, il y en a quand même pas mal, hein, je crois qu'il y en a... Il doit y avoir une bonne trentaine de niveaux, c'est ça, 35, un truc du genre. Donc certes, il doit y avoir que 4 ou 5 à tout casser de niveau. D'accord. Il doit y avoir que 4 ou 5 niveaux à chaque monde, voire 3 des fois. Mais à chaque fois, ce sont des niveaux assez longs. Et généralement uniques en leur genre. Voilà, là, il y a... Purée. Là, c'est surtout une phase avec les automobiles volantes. Faut que je me concentre quand même au moins 2 minutes. Hop. Ah, purée. Ah, c'est vrai que ce passage-là, il est assez chaud. Hein. Faut se concentrer. Et dès que je parle, moi, j'arrive pas à me concentrer. Je fais n'importe quoi. Enfin, c'est pas pareil quand c'est un let's play, parce qu'on parle pas vraiment du jeu. Enfin, ou vite fait comme ça. Donc c'est plus simple en fait de commenter et de jouer. Alors que là, j'essaye de trouver des trucs pour le test. C'est plus compliqué. Ah, les petites animations quand on finit les niveaux. Elles sont sympas. Ah yeah! Je pense qu'elle adore le hard rock. Carte dimensionnelle, donc voilà, on retourne à chaque fois à la carte dimensionnelle à chaque fois qu'on finit un niveau, normal. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je vais essayer de choper un niveau où l'on utilise pas mal les masques. Alors je vais pas vous montrer non plus les derniers niveaux. Il y avait quoi? Il y a un masque, en fait il y a un masque qui nous permet de faire la tornade et de planer. Il y a un autre masque, bah il y a le premier masque que vous avez vu, qui permet d'inverser les plateformes. Le troisième masque, c'est pour ralentir le temps. Ah et ça c'est... Ouais. Là c'était le masque, enfin le totem plutôt. C'était le totem... attendez, qu'est-ce que je peux vous montrer comme truc? Bon au pire, on va mettre le niveau de la préhistoire et peut-être que... On va en avoir un masque. Je ne sais plus. Allez hop, niveau de la préhistoire. C'est parti. En plus, très joli hein, ce monde. Hein. Enfin, généralement, les mondes sont très jolis. Hein. Il y a un monde qui m'a moins plu, c'est le monde temple chinois. Enfin, le monde qui fait un peu asiatique. Un peu jardin asiatique. Avec les temples chinois, tout ça. La culture japonaise, tout ça.
Ah, je m'y connais pas trop. Ah, vous savez, le Japon, à part les mangas et les jeux vidéo, voilà. Je devrais m'intéresser, mais... Je n'ai pas pris le temps de vraiment m'y intéresser. Hop. Bon, niveau bestiaire, on a pas mal d'ennemis différents. Après, c'est surtout l'apparence qui est différente, parce que comme vous pouvez le voir, là, ces ennemis-là, ils sont pas vraiment originaux. On les bat de la même manière, généralement. Ah, oh, j'ai fait n'importe quoi. Ah oui, tiens. Je suis vous parler des différentes morts, voilà, à chaque fois, bah, on meurt d'une façon différente. Par exemple, si je touche celui-là. Voilà. Alors, des fois, on se transforme en ange, des fois, voilà, on suffoque. Parce qu'on va se faire transpercer par les pics de cette chose, là. Mais bon, des morts assez cartoonesques, hein, et pas gore, hein, évidemment. Ça reste du Crash Bandicoot. Ce n'est pas glauque. Il y a peut-être certaines morts un peu glauques, comme... Comme un ennemi qui vous mange et qui rote et qui recrache vos chaussures. C'est quand même peu commun. Hop. Bon, ça reste quand même... Des trucs assez cartoonesques. Hop. Voilà, là, une petite face sympa, là. Pour avoir un minimum de skill. Oh yeah. Comme vous pouvez le voir, là on est... voilà. Attendez, pourquoi j'ai pas la cassette, là? Parce que je suis... Ah, je suis mort deux fois. Ah, fallait peut-être pas mourir... Une seule fois. Allez, c'est ça. Les cassettes, en fait, c'est des niveaux secrets que l'on déverrouille si l'on ne meurt pas au début du niveau. Voilà. Donc, comme ça, on peut choper la cassette. Sinon, elle est grisée comme là. Parce que j'ai fait mon noob. Ah, voilà. Un masque. Alors là, c'est le masque pour ralentir le temps. Voilà, là on voit que nos chers tentacules vont un peu trop vite. Donc tout simplement, on ralentit le temps à la Prince of Persia style. Donc c'est un petit rajout sympa. Ah, j'ai pas l'habitude d'être invincible comme ça. Là. Ça m'a fait bizarre de rebondir sur les ennemis là. Ah, parce que quand on est invincible, c'est le gameplay est un poil différent. On est un peu plus rapide. Et on saute différemment sur les ennemis, voilà. On leur saute dessus. Le gameplay est un poil changé. Et aussi sur les caisses aussi. Les caisses, on les détruit en marchant juste dessus. Et on a plus besoin de sauter. J'ai loupé la gemme. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je l'avais déjà eu, cette gemme. Ah, parce qu'il peut y avoir aussi des gemmes secrètes. Magnifique. Il peut y avoir aussi des gemmes cachées. Et les gemmes nous permettent de déverrouiller différents skins et d'avoir une surprise aussi si on a toutes les gemmes du jeu, alors que je n'ai pas encore. Eh bien, on peut déverrouiller, voilà, peut-être un niveau, je ne sais pas. Mais bon, c'est un spoil si je le dis, et de toute façon, je ne le sais point. Moi, je ne veux pas me faire spoiler, il faudrait que j'essaye de choper toutes les gemmes. Mais bon, pour ça, il faut... De nombreuses heures, hein, purée. Continuez. Surtout que on a aussi un mode inversé. Il me semble que ça s'appelle comme ça. C'est comme un mode miroir dans Mario Kart. Ou le mode miroir qu'on a dans Donkey Kong Country Tropical Freeze. Voilà, ça inverse le niveau. Sauf que les décors sont un peu changés. Alors tiens, on va faire un niveau avec, avec Cortex. Voilà, donc si on fait N versé. Inversé.
En niveau inversé, il change les graphismes en gros. Alors vous allez voir. Ça fait style fil de fer un peu. Un peu ce que voient les développeurs quand ils développent leur jeu. Donc je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon. Voyons comment ces prédateurs préhistoriques Ah, quoique. apprécient les nouveaux réglages de mon blaster. Oh là là, ça éclate un peu les yeux quand même. Oh bah là c'est différent. Là ça tourne vraiment en 60 FPS par contre parce qu'il y a moins de détails. Donc le jeu arrive mieux à gérer ça. Le jeu est quand même plus beau que la trilogie de Crash Bandicoot, hein, encore heureux. Parce que c'est quand même la suite. Donc attendez, on va remettre en mode normal. Retour à la carte, attendez. Je vais remettre en mode normal avec Cortex. Un petit gameplay avec Cortex et je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que là c'est le dernier personnage. Que l'on joue pas trop souvent. Il n'y a pas énormément de niveaux. On va se mettre en mode normal. Mais il a un gameplay assez sympa aussi. Plus un gameplay plus lent, plus stratégique, et il n'a pas accès au double saut. À la place, il a accès à un autre saut. Il fonce comme une fusée, je vais vous montrer. Voyons comment ces voilà, comme ça. Préhistoriques apprécient les nouveaux réglages de mon blaster. Je voulais pas lancer le mode contrôle. Bon, c'est pas grave. On s'en fiche. Voilà, et donc on a cette espèce de pistolet qui nous permet voilà, de changer les ennemis, soit en bloc comme ça de pied, soit en une espèce de bloc gélatineux qui nous permet voilà, de rebondir comme sur un trampoline. Voilà, et si on retire dessus, si on a le malheur de retirer dessus, hop, et ben ça fait réapparaître l'ennemi. Il faut faire assez attention à ça, je me suis fait avoir. Voilà, vous voyez, le niveau recommence direct quand on est en mode contre la montre et on perd pas de vie. Et par contre, il n'y a pas de checkpoint, évidemment, hein, contre la montre. De moi quand j'ai ajouté la blockification. Qui est-ce qui rigole maintenant? C'est moi. Et là, faut faire rond, tac. Rond ou R1, voilà, c'est le même bout. C'est la même chose. Voilà, des fois, on a voilà, des belles vues comme ça. Voilà, des effets carte postale, un peu. Hop. Donc, comme vous pouvez le voir, là, c'est... Le jeu tourne sous Unreal Engine 4. Ça a été mis d'ailleurs dans l'intro du jeu. Alors c'est pas le même moteur graphique du coup, voilà, graphiquement c'est pas du tout la même chose que la trilogie. Après pourquoi pas, mais c'est vrai que de base j'étais assez sceptique au début parce que je trouvais que les personnages étaient un peu moins détaillés que dans la trilogie. Mais bon, y a vraiment que les personnages qui sont un peu moins détaillés parce que globalement le jeu est quand même plus beau. Les graphismes sont plus beaux que la trilogie. Il y a beaucoup plus d'éléments, quoi. À droite, à gauche. Et le jeu reste très lisible. Même s'il y a toujours ce problème de perspective. Bon, là, évidemment, je passe le niveau... D'une vitesse infernale, hop. Mais normalement, la première fois qu'on fait le niveau, on essaye d'avoir toutes les... Ah, purée. Excusez-moi, j'ai une espèce de toux en ce moment. J'avais la voix complètement défoncée il y a une semaine. Je ne pouvais pas tourner de vidéo. D'ailleurs.
C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de contenu depuis belle lurette d'ailleurs sur la chaîne. C'est vrai que depuis 2 semaines je crois, facile. Bon, il y a eu le live la dernière fois. Alors lui, on va le refaire descendre. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Bon, voilà. C'était un niveau de cortex. Bon, c'est vrai, j'essaye d'aller un peu trop vite et du coup je fais un peu n'importe quoi, mais bon. De base, je me plante pas autant que ça parce que je prends mon temps. Voilà. C'est vrai que j'ai envie de vous montrer à peu près pas mal de choses. Ah, pourquoi pas faire ce niveau-là. Charge Lino, il était très joli aussi celui-là. Ça fait un peu ombre chinoise là, le style inversé là. Je pense que ça doit être chaque monde a vraiment son style inversé, ça doit être ça. Parce que si je vais là, c'est un style un peu numérique là, ok. Ouais, c'est ça. Chaque monde a vraiment son style inversé. C'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Tu mets là, là c'est un style un peu brumeux là. Noir et blanc. Je sais pas, c'est un filtre en fait, c'est une sorte de filtre. Mais celui qu'on avait essayé là en live, le niveau inversé, c'était vraiment en fil de fer le machin. C'était pas très joli je trouve. Je sais pas pourquoi ils ont voulu faire ça, les développeurs. Bon, pour changer, mais... Ils auraient pu juste refaire le niveau, mais juste en mode miroir, quoi. Comme dans Donkey Kong. Sans changer le moteur graphique. Enfin, la gueule du moteur graphique. Attendez. On va plutôt refaire un niveau ici. Voilà, dernier niveau, et après on va se quitter, parce que ça va faire quasiment 1 heure. Bref, voilà, je vais conclure, donc ce crash, About the Time, ce crash 4, est vraiment, voilà, un très très bon jeu, il m'a vraiment surpris, parce que moi je m'attendais plus à un jeu classique, alors bon, il garde quand même ce côté classique qu'ont les crash, mais en ajoutant beaucoup de fonctionnalités, de mécaniques de gameplay en plus, qui sont vraiment les bienvenus. Alors il y a un monde que j'ai moins bien aimé, oui c'était le monde de chinois, j'en ai déjà parlé. Mais sinon globalement, tous les mondes sont vraiment intéressants, le level design est sympa. Et le jeu a plutôt une bonne replay value. Bah, justement c'est pas pour rien qu'il y a un mode chrono. Hop. Ah. Ah bah tiens, je viens de la prendre, on peut se faire avoir par la flaque après, oh, ok. Ah ouais non mais c'est une catastrophe, ouais. Et je sais pas ce que j'ai là. Je ne sais pas ce que j'ai les gars. Bon, faut quand même finir ce niveau sur une bonne note. Avec de la skill. Voilà. Ah là c'est pour inverser. Oula, ah oui. Ah je m'en souviens, ouais, là c'est fourbe. On peut pas trop savoir. Au début j'ai testé plusieurs trucs. Hein. Mais ouais, faut... Affiche-l'en, faut plus faire ça, attendez. J'ai cru qu'il fallait frapper, mais non, faut pas frapper. Attendez. Ah bah non, je suis bête. Hop. Ah, c'est ça. Faut l'inverser, mais on le voit pas très bien. Mais normalement, sur les trucs que l'on peut inverser, ces trucs-là... ont des espèces de petites lucioles bleues autour. Je sais pas si vous avez remarqué... Hop là, il va y avoir les fameuses
fameuse course-poursuite, donc voilà, je vous en avais pas montré. Mais il y en a pas mal hein, dans le jeu des courses-poursuites, des phases comme ça. J'ai fait n'importe quoi. Comme d'habitude. Ça y était déjà dans les anciens Crash. C'est pas pour rien que je dis fameuse course-poursuite. Ça, c'est les phases bien connues des Crash. Ah voilà, là il y a un événement. Donc ça débloque un niveau secondaire en gros. A chaque fois ces niveaux-là, on n'est pas obligé de les faire. Hein, pour finir le jeu. Ah, sauf si vous voulez faire le jeu à 100%, évidemment. Mais bon, c'est assez étonnant, mais ouais, ce ne sont pas des niveaux obligatoires. Ah, là, c'est une phase assez impressionnante. Avec les Triceratops qui se font poursuivre par hop le T-Rex. Hop. J'adore les dinosaures herbivores là. Avec leur tête en pavé. C'est génial. Comme ça, on voit bien que ce sont des plateformes. Hop. La très belle vue, encore une fois, là. Ça pète, quand même. Hop. Après, oui, les personnages font un peu moins détaillés que dans Crash 3. La trilogie. Mais il reste quand même... suffisamment détaillé pour que ça ressemble vraiment à un animé cartoonesque, tout simplement. Puis ça fait quand même honneur à la PS4. Et bon, après, c'est surtout les décors qui sont impressionnants. Il ne pourrait pas tourner sur Switch. Ah, oula, j'ai fait une paroi. Il ne pourrait pas tourner sur Switch en 1080p, hein, je pense pas. Parce qu'il y aura peut-être une version Switch à l'avenir. Activision a teasé un peu le bousin. Et on va falloir un peu attendre. Parce qu'il faut encore de l'optimisation. Ah, ce qui est pas mal aussi dans les cutscenes aussi, on garde la skin que l'on a sélectionnée. Voilà. Bon sang, mais c'est Lani Loli. Comment ça va, frangin ? Bon, je vais passer à la cinématique. Voilà, généralement, le jeu est assez rythmé, il y a des cinématiques. Bon, je dirais pas à chaque niveau, mais bon, je dirais à 50% des niveaux, il y a une petite cinématique. Que ce soit intro ou à la fin du niveau. Intro au début de niveau ou fin de niveau. Et bref, voilà. Voilà, pour moi, globalement, ce jeu de plateforme... Alors, il n'a pas une bande-son exceptionnelle. Hein, je ne retiens pas grand-chose de cette bande-son. C'est classique. Bon, c'est de la soupe, un peu, mais... Il y a certains thèmes, voilà, Le thème de la carte est plutôt sympa, carte du monde. Et c'est un peu le seul thème que j'ai... Que j'ai mémorisé. Après... Après, l'ambiance sonore est plutôt... plutôt bien foutue, voilà, comme vous pouvez le voir là, quand on a été poursuivi là par les dinosaures, c'était... les bruitages, etc. La bande-son s'en sort très bien.
Mais niveau musique, c'est pas folichon. Par contre, voilà, niveau du gameplay, ça, y a rien à redire, c'est très précis. Bon, il y a toujours ce petit problème de perspective, mais bon. Ça va dire que c'est un petit point faible. Globalement, c'est un jeu très maîtrisé. Et vraiment, il m'a pété à ce niveau-là, parce qu'il y a vraiment de grosses surprises. Attendez, je vais vous montrer un niveau. Alors, ça va être vraiment le dernier de chez dernier niveau. Mais il est vraiment pas long, celui-là. Et c'est l'un des niveaux qui m'a épaté, celui-là. Hop. Alors, c'est un petit spoil, hein, donc si vous voulez faire le jeu de votre côté, ne regardez pas la vidéo. Voilà, ça va être vraiment le niveau ultime de la vidéo. Non, ce n'était pas prévu. La grande évasion, en plus c'est magnifique, référence à un grand film. Après... La grande évasion, c'est plus pour la cinématique qu'on va avoir à la fin de ce niveau. Ça va plus faire référence à ça. Hop. Ah d'accord. Ah non mais il saute vraiment pas haut. Ah c'est la loose. Il fallait forcément un fail à la fin. Même au tout début de ce niveau alors que c'est très simple. Oh là. Ouais, je suis pas assez haut. Ah, et là, on va avoir aussi des magnifiques angles de vue. Et ça, je me dis, c'est quand même dommage que le jeu soit en 2,5D. Une sorte de 2,5D, que ça soit pas du genre Ratchet & Clank, par exemple. Parce que c'est vrai que, quand on voit tous les détails qu'il y a à droite à gauche, ils auraient pu vraiment se le permettre. Après aussi, je vous ai pas trop montré, mais dans certains niveaux, voilà, les personnages, alors c'est souvent les ennemis nous parlent. Enfin, même c'est toujours les ennemis. Voilà, avec un mégaphone ou je ne sais quoi, ou une caméra. Ah, il y a un effet de reflet très bien fait. Les reflets dans ce jeu sont vachement bien foutus. Ah et là c'est... Là regardez-moi ça quoi, c'est immense. Quand on voit ça on se dit purée mais c'est un jeu à la Ratchet & Clank ou ça fait plus open world et tout. Alors que non finalement c'est la 2,5D. Même si c'est un petit peu plus 3D que les anciens Crash, quand même, que la trilogie. Mais on n'est pas non plus dans un Crash Twin Sanity, voilà. Qui a d'ailleurs été un très bon Crash, celui-là. J'ai pas trop compris. Attends, j'ai appuyé sur rond. Attendez. Voilà, c'est comme ça. Et donc voilà, globalement... Oui, c'est vrai que... Ça aurait été pas mal si c'était du même style qu'un Twin Sanity. Mais après... Après, en même temps, ça aurait pu être casse-gueule. Ce
Il y a des prises de risque à ce niveau-là. Et puis vu que les développeurs en question maîtrisent très bien le sujet de la 2,5D, hein. Voilà, pourquoi pas retourner dans ce style. Bon, j'ai fait n'importe quoi. Là, faut vraiment que je vous montre la fin de ce niveau, qui est exceptionnel. Vraiment, la mise en scène, là, ouais, c'est impressionnant. La première fois que j'ai vu ça, j'étais bluffé. Oh, purée. Non, mais c'est pas possible. On va mourir 15 fois. Bon, je peux pas y aller direct. Hop. Alors, en fait, hop, faut attendre. Et y aller direct. Bon, on peut faire autrement, mais je trouve que c'est la façon la plus simple. Ah si, je voulais pas montrer les mimiques des personnages, là, quand même. Cortex, ça, hein, on n'a pas envie de le faire chier. Il a une tête de psychopathe. Oh purée. Ah, je me suis fail. Ouais, non, en fait, c'est n'importe quoi de le faire comme ça. Oh, mais non! Oh, c'est abusé, ça. Qu'est-ce qu'il fout, là, lui? Au moins, vous avez pu voir la mort incroyable de Cortex. Mis à la benne. C'est beau. Plutôt aller. Ok, la plateforme est trop haute. Je vais me concentrer, lui on va le mettre plus là-bas. Ah là c'est un gameplay, faut pas aller trop vite. Hein. Hop, on le voit là-haut lui, hop. Tac. Voilà. Eh bah, Dodio! Pourtant, c'est pas un niveau difficile. Il y en avait des bien plus durs précédemment. Ah là 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 là. Ah là là, cette skill catastrophique. Hop. Voilà, on va avoir notre phase. Je vais passer à la cinématique. Parce qu'il y a du spoil. Et là voilà. Incroyable ce passage. Attention. Par contre, il n'est pas facile. Si je réussis du premier coup, PGM. Bon, on va pas choper toutes les caisses. J'ai déjà chopé toutes les caisses de ce niveau. Et ce n'était pas de la tarte. Ouh là là. Ah voilà, fail. Bah c'était obligé. Réussir du premier coup, ce niveau-là, faut vraiment être fort. Hein. Enfin, la fin de ce niveau. Parce que ce qu'on a eu au début, là, avec Cortex, c'était pas très dur. Hop.
Attention. Alors, on est à la fin là. Hop. Ah bah nickel. Voilà, il y a souvent de bonnes petites idées comme ça, à droite à gauche, dans les niveaux. Et surtout ça, bah, ça m'a vraiment impressionné, hein, techniquement c'était bien foutu. Puis au niveau du gameplay, c'est intéressant aussi. Il y a un autre moyen. Hop, je vais passer à la cinématique. Faut quand même pas trop de spoil, évidemment. Bon, ça a spoilé un petit peu quand même là. Mais... Après, bon, spoiler dans Crash Bandicoot, ça va. C'est pas spoiler dans The Last of Us. Bref, voilà, que vous dire de plus, voilà, c'est un très bon platformer, bien meilleur que Mario 3D World. Et ça, c'est déjà pas mal. Et quasiment, moi je le mettrais même quasiment au niveau d'un Rayman Legend ou d'un Donkey Kong Country Tropical Freeze. Franchement, c'est quand même un très très bon jeu, ce Crash Bandicoot. Vraiment meilleur que la trilogie, voilà. Réunie. Franchement, c'était une bonne surprise et je trouve que ces nouveaux développeurs qui développent du coup Crash Bandicoot ont vraiment respecté les codes de Naughty Dog. C'est du bon travail. Sur ce, je vous dis à la rayure pour de nouvelles aventures et pour de nouveaux tests.